C'est un stand un peu particulier qui s'est installé sur la place Charles de Gaulle ce samedi midi. La grande braderie de l'école publique. Une nouvelle action des parents d'élèves, des enseignants et des différents syndicats de l'éducation pour protester contre l'école d'aujourd'hui et de demain. Ma fille est en CE1 et elle n'a pas eu de remplaçante pendant 3 semaines, sauf une demi-journée. Une incompréhension totale. On n'avait pas pu faire l'étude parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants. Donc on est resté dehors à la place d'être dans les classes en train de faire nos devoirs. Une situation qui risque de se dégrader davantage à la rentrée, alors qu'on prévoit 1400 élèves de plus dans le département. 458 postes d'enseignants vont être supprimés. De quoi inquiéter les parents. À un moment donné, je ne sais pas si la France va pouvoir offrir un avenir vraiment certain à leurs enfants en termes de formation, capacité d'être citoyen, voilà. Donc, c'est inquiétant. Ouais. Des professeurs en moins, mais aussi des classes supprimées l'année prochaine. 52 par exemple pour le premier degré. Des suppressions qui vont logiquement se répercuter sur le nombre d'élèves dans les classes. Nous étions en 2009 entre 27 et 28 élèves moyenne, je parle de moyenne, 27 et 28 élèves par classe en 2009 et en 2012, à la rentrée 2012, en septembre, nous serons sur une moyenne entre 30 et 32 élèves par classe. La Fédération des parents d'élèves et les syndicats espèrent réunir encore plus de monde le 11 avril prochain. Un grand rassemblement interdépartemental est prévu devant le rectorat de Versailles.